En ces temps merveilleux où la théologie fleurit avec le plus de sève et d'énergie, on raconte qu'un jour un docteur des plus grands, après avoir forcé les cœurs indifférents, les avoir remués dans leur profondeur noire, après avoir franchi vers les célestes gloires, des chemins singuliers à lui-même inconnus, où les purs esprits seuls peut-être étaient venus, comme un homme monté trop pris de panique, s'écria transporté d'un orgueil satanique. Jésus, petit Jésus, je t'ai poussé bien haut, mais si j'avais voulu t'attaquer au défaut de l'armure, ta honte égalerait ta gloire, et tu ne serais plus qu'un foetus dérisoire. Immédiatement sa raison s'en alla, l'éclat de ce soleil d'un crêpe se voila, tout le chaos roula dans cette intelligence, temple autrefois vivant plein d'ordre et d'opulence, sous les plafonds duquel tant de pompe avait lui, le silence et la nuit s'installèrent en lui. Comme dans un caveau dont la clé est perdue, dès lors il fut semblable aux bêtes de la rue. Et quand il s'en allait sans rien voir à travers les champs, sans distinguer les étés des hivers, sale, inutile, ailé comme une chose usée, il faisait des enfants la joie et la risée.